Salut tout le monde, c'est White, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est 50 000 sur ma chaîne YouTube. C'est énorme, la Team Shark compte 50 000 membres et ça me rend d'autant plus fier que c'est vous, que ce soit une communauté si propre, si mature. Vous avez jamais cessé de m'accompagner, vous avez jamais cessé de m'encourager, c'était juste kiffant de ouf et j'espère qu'on va continuer parce qu'aujourd'hui, l'objectif pour moi, c'est les 100 000. Vous savez que j'ai jamais couru après les abonnés, c'est absolument pas l'objectif principal de cette chaîne YouTube, c'est juste de passer du bon temps avec avec les personnes qui le méritent vraiment, et franchement, que de partager des choses comme ça avec vous, ça me rend d'autant plus fier. Bon, vous avez dû le voir, effectivement, j'ai supprimé ma vidéo derrière le masque de YouTube, tout simplement parce que, effectivement, je suis célibataire. Voilà, 6 ans de couple, c'est terminé, mais je pense que lorsque j'ai fait cette vidéo, je suis trop rentré dans les détails et que j'ai dit trop de choses qui pourraient, comment dire, lui nuire à elle autant qu'à moi, et je trouve que c'est pas bien, c'est pas correct de ma part. Je suis pas comme ça, j'ai fait cette vidéo à chaud, je suis trop rentré dans les détails, c'est pas bien. C'est pas bien, donc on va se ressaisir, voilà. J'ai repris un petit peu du poil de la bête. Ce week-end, effectivement, il y a eu Airsoft. Je devais filmer, mais comme la rupture est très fraîche, je n'avais pas le cœur à le faire. Donc je vous le dis, j'ai pas emmené mon matériel. C'est vrai, je suis désolé, j'avais promis. Je le ferai la prochaine fois, dorénavant. Ça ne posera plus de problème normalement que je filme. Donc je pourrais vous faire des gameplays Airsoft sans problème. Je pourrais évidemment vous faire par exemple une vidéo loadout. Mais aujourd'hui, j'ai pas trop envie de parler de ça. J'ai plus envie de parler de ce que j'ai à vous proposer pour les 50 000 abonnés. Déjà, j'ai une grosse nouvelle. Je suis en train actuellement de voir, j'ai plusieurs pistes de partenariats. Donc des partenariats, ce n'est pas du sponsoring, ce n'est pas des contrats ou quoi que ce soit, mais à vous, ça pourra vous servir beaucoup plus qu'à moi en fait. Pour eux, ça sera un petit coup de pub. Vous le verrez, de toute façon, je vous l'annoncerai, j'en parlerai dans certaines vidéos. Pour vous, en échange, j'aurai accès à des clés CD, à du matériel, à du contenu à vous offrir. Donc ça y est, je vais enfin pouvoir avoir la possibilité de vous dire merci tout simplement pour le soutien dont vous faites preuve au quotidien. Donc toutes les nouvelles sorties de jeux, etc. J'aurai forcément quelques clés à vous donner, des conneries du style. Ça va être sympathique. Vous me direz, c'est petit, c'est pas grand chose, mais faut bien commencer par quelque chose. Et si je commence par ici, Dieu sait par quoi on finira. J'aimerais aussi vous dire autre chose. Effectivement, je vais tenter l'expérience YouTube. Je vais essayer de me professionnaliser, donc de me déclarer, d'essayer de vivre de ce que je gagne de YouTube, des streams, des partenaires, etc. Ça va être très compliqué pour le moment, mais j'ai envie de tenter l'expérience. Je suis jeune, si je ne la tente pas aujourd'hui, je la tenterai jamais. Donc voilà, j'ai toujours été honnête et transparent avec vous. Du coup, ça me donne plein d'ambitions, ça me donne plein de projets. Je vais essayer de faire une vidéo par jour, de qualité, en essayant de varier les contenus, de vous proposer un petit peu de multigaming, tout en essayant de rester axé sur ce que je vous avais promis à la base. Donc Division, malheureusement, je pense que c'est terminé. Mais R6, on y vient, on va parler de quelque chose de sérieux. On commence notre entrée dans la compétition. Alors je sais pas si ça sera pris en compte ou pas, mais en tout cas, on s'engage dans les championnats de France Rainbow Six Siege. Voilà, donc je partagerai cette aventure avec vous, j'essaierai de vous mettre au cœur de l'action vraiment, de vous proposer du contenu, comment dire, différent d'habitude, puisque ce sera du contenu compétitif. Ça y est, White Shark 67 va devenir compétiteur Rainbow Six, accompagné de sa fière team, la Team Insanity. Ça va être exceptionnel. Si jamais on est amené à bouger ou quoi que ce soit, je vous ferai des vlogs sur l'envers du décor de la compétition, les voyages, etc. Nos rencontres avec l'équipe, avec la team au complet, etc. Vous inquiétez pas, ils sont d'accord, tout va bien. Et si jamais les matchs se font à la maison ou quoi que ce soit, j'essaierai de vous publier des highlights, même si on se fait défoncer, ce qui risque peut-être d'arriver. Donc voilà, les choses sérieuses commencent pour moi, pour la Team Shark. J'espère qu'on ira au plus loin, j'espère que je ne prendrai jamais la grosse tête. Je vais essayer de garder les pieds sur terre. Ça va être difficile, je vous avoue. Il y en a beaucoup qui perdent la tête à cause de la notoriété, mais je pense honnêtement pas que ce sera mon cas. Et puis, je vais essayer de continuer comme ça sur YouTube en vous proposant le meilleur. Toujours de meilleurs montages, de plus en plus professionnels, avec du matériel qui s'améliore. Je suis en train de régler mes petits soucis PayPal, ça devrait être réglé d'ici à la semaine prochaine maximum. En fait,
comme j'ai créé le compte sur un pseudonyme, du coup maintenant ils aiment pas trop, j'ai dû recréer un compte à mon vrai nom et tout, enfin c'est le gros bordel PayPal franchement. Alors, vous avez un support technique et c'est un petit peu la merde, hein, voilà, je vous le cache pas. Donc on va commencer à se professionnaliser, on va commencer à rentrer dans le serious game et ça va être difficile parce que je vais essayer de rester moi naturel, spontané, honnête, etc. tout en étant professionnel, donc ça va être difficile. Je sais pas trop comment je vais vivre ça, je sais pas trop si ça va être concluant ou pas, mais bon voilà, si vous voulez me donner un petit coup de main, n'hésitez pas à parler autour de vous de la chaîne YouTube, tout simplement, ça ne la fera que grossir plus vite, et ça me permettra à vous de vous filer largement plus de trucs. Je suis en train d'essayer là aujourd'hui, j'ai 50 000 abonnés, j'aime pas les appeler abonnés, mais on va les appeler abonnés, j'ai 50 000 abonnés, et j'essaye de faire poids auprès des sponsors, de tout ce qui peut nous rapporter un petit peu de matériel, un peu de contenu, un peu de... J'ai envie de vous faire des cadeaux et j'ai besoin d'un coup de main, donc vous allez voir, je vais cogner un petit peu à la porte de tout le monde. Bonjour, bonjour, on a besoin d'un coup de main là, ça va plus, hop, et on va essayer de vous faire quelque chose de conséquent pour les 50 000 abonnés. Je voulais vous remercier, merci, franchement merci de tout le soutien dont vous avez fait preuve, que ce soit dans ma rupture ou dans mon engagement sur YouTube. Ça me fait très plaisir de pas me sentir seul. Alors bien évidemment, je remercie mes amis aussi qui ont toujours été derrière, tous mes potes de team, Isaro, Subrosa, Zedius, KS, tout ça, j'en oublie bien sûr, il y a Confé, compagnie, j'en parle pas, mais il y a énormément de monde derrière, je suis pas tout seul, je suis soutenu, je suis bien, et je reprends un petit peu de poil de la bête. Donc bien sûr que c'est difficile, c'est une épreuve terrifiante, la rupture me fait mal, mais je sais que je vais repartir de l'avant, c'est obligatoire. N'oubliez jamais qu'un requin applique une pression de 3 tonnes au centimètre carré lorsqu'il mord sa proie. C'est un requin, un animal fier, fort, intelligent, donc bon, il me faut juste le temps de panser mes blessures et on va repartir de plus belle. J'ai l'impression que vous allez me dire, vous allez peut-être trouver ça stupide ou quoi que ce soit, mais j'ai l'impression qu'on peut y arriver, j'ai envie d'y arriver, j'ai envie de m'en donner les moyens. En tout cas, c'est une aventure qui m'intéresse et qui me motive énormément. Donc tout se lance, la compétition, le serious game sur YouTube, je serai officiellement YouTuber, je vais me déclarer, ça va être une expérience terrifiante pour moi, perdu dans les papiers, les déclarations, les... Ouais, on n'y est pas encore, je verrai ça bien tranquillement au chaud et on va tenter l'aventure. Donc voilà, au fur et à mesure qu'on avance, j'espère qu'on progressera encore. De toute façon, vous le verrez, à partir du moment où j'aurai réglé mes petits soucis PayPal, ce qui ne devrait plus trop tarder, plein de mon matériel va changer. Déjà le micro, vous inquiétez pas, je vous ferai un unboxing magnifique lorsque je l'aurai. J'essaierai de changer au fur et à mesure mes écrans, la pièce, vous rajoutez un fond vert, on se mettra bien et vous aurez des vidéos de ouf avec un skill de ouf, parce que j'ai l'impression qu'en France, à proposer des gameplays de haut niveau, on n'en est pas des tonnes, et justement j'ai envie d'être un petit peu le nouveau Diablo X9 de 2017. Vous savez, quand on se connectait sur YouTube, qu'on tapait Monsieur Levé12 et Diablo X9 parce qu'on voulait voir du show. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous montrer du show. Et j'ai envie que ceux qui viennent sur cette chaîne YouTube, ils viennent parce qu'ils savent qu'ils vont pas être déçus et qu'ils vont voir du show. Un mec qui sait de quoi il parle, un mec qui a du skill, qui a des choses à proposer, qui débat, qui échange, qui partage. Voilà, ne changez jamais, restez vous-même. Je veux une communauté propre, je veux être un YouTuber propre. Et on va s'imposer dans le game, on va essayer de gravir les échelons petit à petit. La Team Shark prend de l'ampleur, ça me fait très plaisir. J'espère que vous vous sentez vraiment concerné par ce développement, parce que c'est grâce à vous. Un YouTuber avant tout, c'est une communauté avant d'être le YouTuber. Sans sa communauté, le YouTuber est rien, et j'en ai pleinement conscience. Et c'est pour ça que je suis aussi investi dans le développement de ma communauté. On a toujours été proches, on restera toujours proches. Voilà, c'était juste une toute petite vidéo pour vous donner des nouvelles, pour vous parler un petit peu de ce qui allait se passer sur la chaîne, de comment je vais, tout simplement, parce que bon, vous avez été derrière, donc j'allais pas revenir comme une fleur non plus, vous dire ok c'est bon, ça va mieux, on n'en parle plus, et voilà, on passe à la suite. Mais je voulais vraiment vous donner des nouvelles, parce que je sais que pour la plupart vous êtes vraiment impliqués. À force, j'ai l'impression qu'on s'attache un petit peu à sa communauté, à son YouTuber, on développe quelques affinités pour les gens qui sont là régulièrement, tout ça. Et puis voilà, donc cette vidéo n'a rien à voir avec le planning de la semaine, tout simplement. Là tout à l'heure, je pense que je ferai la vidéo qui parlera des viseurs sur Rainbow Six, et ce soir je pense qu'on se fera ou un live R6 ou un live PU Battlegrounds. Si jamais vous avez des idées de vidéos, des choses à proposer, que vous avez vu des jeux intéressants ou quoi que ce soit que vous voudriez que je présente ou quoi, n'hésitez pas à me donner un coup de main et dites-le dans les commentaires. Vous savez que je lis tous les commentaires et que je réponds en maximum, donc donnez-moi des pistes, allez-y, participez, ça ne fera que
que renforcer la chaîne et la rendre un petit peu plus sérieuse. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Les gars, encore une fois, merci, stay white. Je vous dis à la prochaine. Peace.